La philosophie morale de Kant en 5 minutes, c'est quoi? D'abord, Kant, c'est le plus grand philosophe des Lumières, à la frontière du 18e et du 19e siècle. Son grand sujet, c'est le pouvoir de la raison. Sa grande question, c'est celle des conditions de possibilité. Ici, les conditions de possibilité d'un acte moral. Autrement dit, ce que cherche Kant, c'est un critère de distinction absolue pour savoir à quelles conditions une action est morale et à quelles conditions elle ne l'est pas. Et ça, on peut le voir en 4 points. Premier point, le rapport de nos actions avec le devoir. Et il se rend compte que nos actions sont dans 3 rapports différents avec le devoir. Premier rapport, une action qui est complètement contraire au devoir. Là, pas de problème, c'est immoral. Par exemple, faire ce qu'on ne doit pas, comme tuer quelqu'un. Ou bien, ne pas faire ce qu'on doit, laisser mourir quelqu'un alors qu'on pourrait le sauver. Deuxième rapport, une action qui est extérieurement conforme au devoir. Par exemple, sauver quelqu'un. On peut sauver quelqu'un, non pas parce qu'on doit le faire, mais pour attirer l'attention sur soi et pour essayer de charmer une belle demoiselle. Vous comprenez bien que dans ces cas-là, c'est pas moral, c'est par intérêt qu'on sauve cette personne. Enfin, troisième rapport, une action qui est par devoir, c'est-à-dire dont l'unique motif est le devoir, à l'exclusion de toute autre motivation, que ce soit notre intérêt, notre désir, l'action doit être uniquement par devoir en étant indifférente à toute autre motivation. On comprend donc, c'est une morale de l'intention. Une action, pour être morale, doit être uniquement selon l'intention du devoir. Pour faire comprendre cela, deuxième point, Kant distingue deux types de commandements, deux types d'impératifs. Premier type d'impératif, les impératifs hypothétiques, sous la forme « si, alors ». Par exemple, si tu veux faire plaisir à une femme, offre-lui des fleurs. L'action ne se commande pas elle-même. Au contraire, elle est commandée par un but. Elle est voulue en vue d'autre chose. Et c'est pour ça qu'on parle d'un impératif hypothétique. Et si vous avez compris la distinction précédente, ce n'est pas une action morale. Pour qu'une action soit morale, il faut qu'elle soit voulue par elle-même. Autrement dit, que l'action elle-même soit comprise comme étant obligatoire. C'est ce que Kant nomme l'impératif catégorique. L'action doit valoir par elle-même, indépendamment de toute circonstance. C'est là qu'il donne cette formulation très célèbre de cet impératif. Agis de telle sorte que la maxime de ton action puisse en même temps valoir comme le principe d'une législation universelle. Pour comprendre cette affaire d'universalité, on peut prendre comme exemple le mensonge. Est-ce qu'on peut mentir de façon universelle? On ne peut pas tromper 1000 personnes, 1000 fois. Réponse de Kant, non. Parce que si le mensonge devient la règle dans le dialogue humain, alors on sait que celui qui nous parle nous ment, et si on sait qu'il nous ment, alors le mensonge n'est pas efficace. Le mensonge ne marche que si, justement, il n'est pas la règle, que si il se fait passer pour ce qu'il n'est pas la vérité. Donc, tu dois toujours dire la vérité parce que c'est universalisable. Le mensonge n'est jamais moral. En effet, si cette action ne dépend de rien d'autre extérieur à elle, alors elle doit pouvoir valoir en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. L'universalité, c'est la loi de la raison. Troisième point, on comprend qu'étonnamment, agir moralement pour Kant, c'est l'acte de liberté par excellence. En effet, être libre, c'est agir par soi, c'est être autonome. Au contraire, ne pas agir par soi, c'est agir par autre chose, c'est être hétéronome, c'est-à-dire suivre la loi d'un autre. C'est ce qui se passe pour un soldat qui obéit à son officier, pour Moïse qui reçoit les tables de la loi de l'Éternel sur le mont Sinaï. L'ordre vient d'un autre. Comme l'action morale, elle, vaut par elle-même, elle ne reçoit l'ordre de nul autre, c'est une action libre. Autrement dit, pour Kant, être libre, c'est agir par soi-même. Or, qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes des êtres raisonnables. Donc, agir par soi-même, c'est agir selon la loi de la raison, telle qu'elle est donnée dans l'impératif catégorique. Ne pas agir selon son devoir, agir au contraire selon son désir, ses inclinations sensibles, selon des impératifs hypothétiques, c'est au contraire renoncer à agir par soi-même, et donc renoncer à sa propre liberté. Il faut comprendre ce paradoxe qui n'en est pas un pour Kant. C'est lorsque tu fais ce que tu dois que tu es libre. Si vous avez retenu toutes ces distinctions, si vous avez retenu ce qui se présente pour nous comme un paradoxe mais qui est très cohérent pour Kant, cette partie est très intéressante parce qu'elle concerne de nombreux thèmes au programme tels que le bonheur, le devoir, la liberté, la raison, la vérité, la technique.